Destin de femme se joue au théâtre du rond-point des Champs-Élysées. Un 16 octobre, Emmanuel Béart a retrouvé son ex Michael Cohen, sous les yeux d'une Mathilda May aux premières loges. Le 24 septembre dernier, Emmanuel Béart a fait grand bruit avec un documentaire poignant, baptisé Un silence si bruyant, co-réalisé avec Anastasia Mikova. Quelques jours avant d'en assurer la promotion, l'actrice avait révélé avoir été victime d'inceste durant son enfance. Bien évidemment, les révélations d'Emmanuel Béart ont suscité de très nombreuses réactions, parmi lesquelles celle de son ancien compagnon, Michael Cohen. Et lundi 16 octobre, elle a retrouvé ce dernier sur scène, pour une représentation du spectacle Destin de femme au théâtre du rond-point des Champs-Élysées. Le synopsis ? Afin que le combat pour le droit des femmes devienne une cause commune, Destin de femme est une œuvre théâtrale bouleversante, adaptée du livre de Valérie Pérez-Anouchi et mise en scène par Jérémy Lipman. Un voyage autour du monde à la rencontre de femmes silencieuses dont les histoires puissantes et résonnantes seront révélées. Une pièce interprétée par une troupe d'acteurs et actrices engagés pour l'égalité des droits des femmes, qui promet des moments poignants et fédérateurs, mettant en lumière les luttes et les espoirs des femmes de divers horizons. L'occasion de découvrir leur voix, leur combat et leur destin. Emmanuel Béart y retrouve donc Michael Cohen, actuellement à l'affiche du succès Bungalow 21 avec les Sœurs Saigné. Celui-ci n'est autre que le père du petit sur Eiffel, que les deux artistes ont adopté en 2009 en Éthiopie. Le couple était alors marié, entre 2008 et 2011. L'acteur a toujours été un soutien pour Emmanuel Béart. Dans cette distribution, il retrouve Christophe Alévèque, Romain Brault, Fanny Cottençon, Stéphane De Groot, Audrey Dana, Nadia Farès, Marie Gillin, Axel Lafont, Elisabeth Moreno, Nicoletta, Oxmo Puccino et Joan Toledano. Le soutien du mari de Nicoletta, cette pièce, Destin de femme, peut compter sur le marrainage de l'ancienne ministre Elisabeth Moreno. Lundi 16 octobre, elle était présente dans la salle, tout comme Nicoletta a pu compter sur son mari Jean-Christophe Molinier. Mourad Atik, Mathilda May mais aussi la fille de Julien Clerc et de Virginie Cooper-Eiffel, Vanny, était aussi présent ce soir-là.